Nos têtes, elles sont un peu coupées, non? Ah, ça va. Bon, regarde là, hein. Ok. Hey guys! Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Junish. Et moi j'aime trop raconter ma vie en vidéo, je sais pas, j'aime trop raconter des histoires. Donc bah, j'ai prévu d'autres story times pour vous. Story time, story time! Oh. Ça veut dire quoi, story time? Ça veut dire une histoire, genre l'histoire importante. Ouais, une petite story, genre du temps, enfin je sais pas comment dire. Voilà, une petite histoire sur la vie. Mais je suis coupée. Ou ce qui s'est passé. D'ailleurs, une petite histoire, c'était elle qui était avec moi dans la voiture. Vous savez, j'ai fait une story time il y a pas longtemps d'ailleurs, sur un accident de voiture. Donc si vous n'avez pas eu le temps de la voir, si vous n'avez pas le temps de la voir, allez checker, je vous mets en lien. C'était elle qui était avec moi et qui était paniquée. J'étais comme ça. Ouais, elle était. Et aujourd'hui, on va vous raconter notre petite histoire, notre petite péripétie. Exact. Qui nous est arrivée il y a maintenant 24 heures. Bah, on a failli se noyer, donc on a failli mourir. Alors je laisse Julia reprendre la suite de l'histoire. Bah oui. Bah en gros on a fait du jet ski parce qu'on est en vacances toutes les deux à Saint-Cyprien. Attends stop, parle plus fort. Ah. En gros on est en vacances à Saint-Cyprien et on a fait du jet ski et il nous arrivait une catastrophe. Voilà. Donc... Mais en fait ce qui s'est passé c'est que on avait loué des jet skis, tout s'est bien passé. Bah l'aller c'est moi qui roulais et tout s'est bien passé, on allait à fond la caisse. On allait à fond la caisse. Et on rigolait trop, enfin on criait et tout, on était là, enfin elle était comme ça, bref. Ouais, ça faisait peur. Ouais. Enfin non c'était cool. Ouais c'était vraiment trop bien. Après j'ai pris un peu la route. Non, il faut dire qu'on s'est arrêté et qu'on s'est baigné. Voilà, on s'est baigné. Et c'est là que le drame est arrivé, donc vous allez comprendre pourquoi. On a sauté du jet ski. Au calme. Au calme, là, sauter dans la mer et tout. Genre, en plus, c'était trop beau. Il y avait un décor magnifique. Genre, on a sauté à Collioure. Ouais. Collioure. Collioure, c'est près de l'Espagne. Voilà. Près d'Argelès. Voilà. Après, j'ai pris le volant. Alors, raconte. Alors, Mathilde, elle a déjà demandé au mono comment il fallait faire. Et moi, elle arrêtait pas de me dire, mais comment on fait avec le truc et tout. Parce qu'il y a un truc en dessous. Et bon, elle commence et elle faisait comme ça. Ça faisait gauche, droite, gauche, droite. Et moi j'étais comme ça. Le problème c'est que j'accélérais à fond et après il tournait. Du coup bah c'était galère quoi. On a rééchangé. Parce qu'il a dit, il a dit ouais. Et puis moi je me sentais pas de faire toute la route comme ça genre. Parce qu'en fait de base quand moi je roulais on était première presque. Ouais ouais. On était les trois premiers. C'est ça. Et quand tu roulais. Bah on était tout dernier. Oui bon après moi j'ai jamais conduit un jet ski, je suis pas une pilote. Non elle roulait bien quand même. Ouais bon je suis pas une pilote mais ouais j'aurais bien voulu essayer plus quand même. Mais bon une prochaine fois. Bah c'est que j'ai repris le volant et là j'arrêtais pas de dire à Mathilde ouais il y a trop de vagues. Ouais et comme c'est mouillé. Ouais comme on s'était baigné en gros genre le petit canapé où on était il glissait, ça faisait tic 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 tic. Du coup, bah en fait, plus elle avançait, plus je la tirais comme ça, quoi. Et du coup, ça faisait vraiment un truc. Et moi, j'arrêtais pas à lui dire, on va tomber, on va tomber. Ouais, on va tomber parce que, genre, vu qu'on était comme ça. On n'arrivait pas à aller vite comme à l'aller. Ouais, voilà. Et là, le drame. Le drame. Là, je vais vite. Alors, il faut savoir que du coup, on était vraiment dans les dernières, vu que j'avais pris du retard. Du coup, bah. Elle a dit c'est bon faut qu'on se dépêche et tout là on doit rattraper le retard. Bah du coup moi j'accélère et là je vois une grosse vague et là je fais et là on a le temps de réfléchir et on se dit oh putain la chute va faire mal, la chute va être mortelle. Ouais ouais. Et là le truc parce qu'en fait moi j'étais accrochée au... Attends on ne voit pas. Oups. J'étais accrochée au truc parce qu'il y a une sécurité pour que quand on tombe, le jet s'arrête. Voilà. Et là, je vois le truc qui part. Et moi, je sens que je vole. Et toi? Et moi, genre je suis tombée sur le côté et là je vois Julia qui fait comme ça. Déjà je me demandais mais elle est où et tout, est-ce que je suis la seule qui va mourir ou... Et le choc, il faut parler du choc. Et il faut parler du choc. À plus de 70 km/h. Voilà, donc c'est comme si on tombait sur du béton en fait. C'est tellement... Enfin l'eau est tellement... Comment... dure, elle est dure. Elle est dure quoi. Ouais, c'est même plus de l'eau quoi, c'est du béton. Et ça fait super mal, moi je suis tombée sur la cuisse. Ouais. Et j'avais vraiment super mal. Et quand je me suis retournée, j'ai vu Mathilde. Elle était en chien vite. Ouais, je suis tombée sur la côte. Je vous jure que pendant 2 minutes, je n'arrivais plus à respirer. Parce que déjà, j'ai eu peur et je suis tombée sur la côte. D'ailleurs, j'ai des bleus énormes. Du coup, bah, je commençais à faire... Moi, j'étais morte de rire parce que j'avais mal et on était au milieu de l'océan. Et en fait, j'ai levé la tête et j'ai vu que le mono, il venait à notre escousse. Arthuriche, on l'a appelé. Arthuriche, on l'appelait Arthuriche. 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 Si tu passes par là, Arthuriche. Il faut montrer comment il est venu. Ouais, genre, ouais, il est venu comme un fou et tout. Il a dit ça va et tout. Et moi, j'étais là. Et nous, c'était non. Moi, je disais non, ça va pas. On n'arrive même plus à nager. Et le jet ski à l'autre bout. Ouais, le jet ski était vraiment très loin de nous. Donc on a fait un vol plané. Il fallait nager jusqu'au jet. Voilà, il fallait nager jusqu'au jet et c'était impossible. Impossible, on allait se noyer. Ouais, on allait se noyer vraiment. Genre, parce qu'il y avait beaucoup de vagues et tout. Du coup on était en panique. Et là le mec, le mono, il nous dit... Donc il arrive vers nous. Et il nous dit... Accrochez-vous, accrochez-vous au jet ski. Voilà. Et on avait mal, on était secoués. Ouais, voilà. Du coup, bah moi, je m'accroche au truc, ça faisait. Et moi, j'essayais de m'accrocher et je lâche. Et elle lâche. Partir au loin. Et je me retourne et je me dis, merde. Ça a été la catastrophe, ouais. Et le retour cata, on n'arrêtait pas de pisser. Et après le choc, on avait super peur. Ouais, on avait peur hein, parce que. Et le mono, il était gentil parce qu'il n'arrêtait pas de faire. Il se retournait et il était trop mignon, voilà. C'est notre petite Arthuriche. Je sais pas ce que vous en pensez de cette histoire. C'est vrai que c'est une histoire basique peut-être pour vous, mais nous ça nous a marqué. Parce que le choc. Hier on essayait de dormir et dans la nuit juste avant que je m'endorme, elle faisait. Non mais parce qu'elle repensait à la chute. La chute, mais vous pouvez pas vous imaginer. Ah ouais, c'était... En fait, on a eu, pendant qu'on faisait notre vol plané, on a eu le temps de penser. Ouais, on a eu le temps de réfléchir quoi. De se dire ça va être... Ouais. Ça va être... C'est la cata. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Lâchez un pouce bleu, activez la cloche, abonnez-vous. Cloche. Et surtout, bah, prenez soin de vous. Adios. Bye.